garder leur lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de la très sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prie. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de Sainte Gertrude, à sa prière dissipe l'obscurité de nos cœurs pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi. Reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Au vainqueur, je donnerai le goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai le goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie.
Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, quelques mots sur ce bel évangile que nous avons souvent entendu et qui est de toute beauté. Avant tout, essayons de nous mettre à la place de cet aveugle. Il mendiait, il était là, assis au bord de la route. Nous ne savons pas réellement ce que vivent les aveugles, de ne rien voir, jour et nuit, d'être enfermés dans ce noir, finalement d'être enfermés dans leurs propres pensées, car ils n'ont que ça, ils entendent du bruit au cours de la journée, ils s'imaginent un petit peu les choses, mais ils sont constamment enfermés en eux-mêmes. Deuxièmement, apprenons aussi que ceux qui étaient en tête, qui marchaient devant le Christ, le rabrouaient pour le faire taire. C'est quand même malheureux de voir des personnes qui n'ont pas de compassion devant la souffrance des autres. Pardonnez-moi, mes frères, de vous le dire, mais ce sont des cœurs stériles. Le Seigneur a de la peine lorsque nous n'avons pas de compassion devant la souffrance et les misères des autres. Et je vous promets que si ça nous arrive, il faut nous convertir rapidement, parce qu'il n'aime pas la dureté de cœur. Il a horreur de ça. C'est quand même terrible de ne pas avoir de compassion pour un être qui souffre, indépendamment de son passé, de sa vie, de ses péchés. Nous devons avoir de la compassion. Et vous voyez ce que le Seigneur va faire. Cet homme crie de plus belle, et le Seigneur demande de le laisser passer, de l'approcher de lui. C'est merveilleux déjà cette compassion et cet amour de notre roi et Seigneur Jésus, qui ne le juge pas sur sa vie. Il lui demande simplement, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Eh bien, Seigneur, que je retrouve la vue. » Il veut simplement que cet homme reconnaisse ce dont il a besoin. Et parce qu'il va poser un acte de foi parfait, eh bien, le Seigneur lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Vous voyez, mes frères bien-aimés, chacun de nous avons aussi nos moments où nous sommes aveugles, où nous sommes aveuglés, par exemple, par tout ce qui traverse notre imagination, et qui capte notre cœur, qui nous empêche de nous tourner vers Jésus, mais aussi toutes les choses matérielles ou habituelles de la vie, qui captent notre cœur et qui nous empêchent d'aller vers Jésus. À chacun les siens. Ça peut être l'ordinateur qui prend trop de place dans la vie, les jeux vidéo. Ça peut être une famille qui nous empêche de prier. Ça peut être un époux ou une épouse qui nous empêche d'aller à l'église. Ça peut être je ne sais quel souci qui capte constamment mon cœur et qui l'empêche d'aller vers le bon Dieu. Et le Seigneur veut nous libérer de ça. Il veut nous enlever cette cécité qui nous empêche de passer du temps avec lui. C'est le cas de l'aveugle de Jéricho, c'est le cas de chacun de nous dans notre vie. Et parfois il faut savoir dépasser cette foule, dépasser ces choses qui nous empêchent d'aller vers le bon Dieu pour enfin poser l'acte de foi. Il faut peut-être être capable de dire à son mari ou son épouse, « Laisse-moi la liberté d'aller à l'église. Je ne t'embête pas quand tu prends ta bière.
quand tu fais ton ménage, que sais-je, eh bien on y va. Il faut aller à la rencontre du Seigneur pour qu'il nous libère. Si c'est l'ordinateur et les jeux vidéo, il faut essayer de se mettre une résolution. Ce soir, au lieu de regarder 1h30 de télé, je vais regarder 45 minutes ou 1 heure. Essayez de trouver des petites résolutions qui nous aident afin d'être avec le bon Dieu. Et puis, deuxième aspect, mes frères bien-aimés, si nous voulons être libérés de nos cécités, il faut mettre un mot sur ce qui nous empêche d'aller à Jésus. Ça, c'est la confession. Si, par exemple, je me confesse, mais que je n'ose pas dire ce qui m'empêche d'aimer mon prochain ou le bon Dieu, le Seigneur ne peut pas me sortir de mon péché. Et c'est ça la beauté de la confession. Le fait d'oser dire à un prêtre dans la confession en réalité, c'est à Jésus qu'on le dit, « Eh bien, je reconnais que je suis très paresseux. » Ou alors, « Je reconnais que je suis maniaque et que cela m'empêche de me tourner vers les autres parce que je suis tout le temps dans mon ménage. » Ou alors, « Je reconnais que je suis égoïste. Je rentre à la maison, je me mets dans mes petits trucs. » Celui qui arrive à mettre des mots sur ses péchés, sur les racines de ses péchés, Dieu le libère. C'est ça qui est merveilleux dans la confession. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, si nous voulons retrouver la vue, c'est-à-dire cette vie intense d'amour envers le bon Dieu, envers le prochain, il faut s'approcher de Jésus. Il faut savoir dépasser cette foule qui nous empêche d'arriver à Jésus, c'est-à-dire tous ces petits obstacles de la vie. Demandons cette grâce en ce jour, pendant cette messe. La Sainte Messe est célébrée pour Jean-Étienne Leipzig et pour Jérémie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Saint Gertrude, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Saint-Père le Pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la très sainte Vierge Marie, la bienheureuse et toute immaculée Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
mystère, Seigneur, dans la fête de Sainte-Gertrude, nous rende plus courageux et nous garde vigilants. Ainsi, quand nous aurons su attendre la venue de ton Fils, nous pourrions être admis aux noces dans son royaume. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères bien-aimés, je vous invite à découvrir les écrits mystiques de Sainte-Gertrude que vous pouvez trouver sur Internet. Cette religieuse du XIIIe siècle qui a vécu en Allemagne et qui déjà à l'époque avait un très grand amour et une belle dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. N'hésitez pas à chercher un petit peu sur Internet. Et maintenant, nous nous confions à la très sainte Vierge Marie, la remercions de tout ce qu'elle fait pour chacun de nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes